Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Le roi du Maroc, Mohamed VI, félicite l'équipe de France de sa deuxième place au Mondial 2022. Effectivement, le roi Mohamed VI vient d'adresser un message de félicitations au président de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion de l'obtention par l'équipe de France de la deuxième place lors de la 22e édition de la Coupe du Monde de football qui s'est achevée dimanche soir au Qatar. Dans ce message, le souverain souligne que tout au long de son parcours, la sélection française a montré un haut degré de professionnalisme et de crédibilité, affirmant que cette deuxième place mondiale est fort honorable pour la France. Rappelons que l'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du Monde au tir au but ce dimanche face à une Argentine qui s'offre le troisième sacré de son histoire. Abattue après avoir porté les bleus avec son triplé, Kylian Mbappé a été consolé par Emmanuel Macron sur la pelouse. Pas de larmes, mais de l'abattement. Auteur d'un incroyable triplé qui a entretenu jusqu'au bout l'espoir pour les Bleus dans cette finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé n'a pu que regarder les joueurs de l'Argentine fêter le troisième sacré de leur histoire après leur victoire au tir au but, tout comme son président de la République, Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs le président de la République qui est descendu sur la pelouse pour une petite accolade et quelques mots de réconfort adressés à Kylian Mbappé. Emmanuel Macron s'est ensuite tourné vers Didier Deschamps et son staff. Emmanuel Macron s'exprimait tout de suite. Mbappé est un très grand joueur, mais il est jeune. Je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde, il a fait une finale, j'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendus très fiers et qu'à la fin on a perdu un match de football. On est passé à rien, c'est le sport, a raconté Emmanuel Macron sur une chaîne de télévision.